je vous accompagne dans mon atelier, venez voir. Un lieu exceptionnel, Grand Hôtel d'Arlanche, 1910. L'avant-Luc, on est ici dans votre atelier, c'est ici que tout se crée. Alors, c'est ici que... Tout se crée et tous les secrets sont d'ici, c'est ça? Pas mal. Pas mal. Non, c'est vrai qu'ici, je suis dans un havre de paix. Je suis au contact de la mer, qu'on n'entend peut-être pas, mais je suis vraiment pas très loin. J'ai une belle lumière et en même temps, je suis à deux pas de la galerie. Si jamais les gens avaient besoin de moi, je suis totalement disponible. Et je me qualifie comme un artiste communicant. Le mec, il parle. Il est tout c'est important aujourd'hui de communiquer. Communiquer, si on ne communique pas avec les gens, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, je parle avec les gens et ça me prend un temps fou. Mais c'est ça, finalement, mon rapport à l'autre. Qu'est-ce que le rapport à l'autre? L'art contemporain, le fameux art contemporain, qu'est-ce que c'est? Certains s'identifient avec des œuvres majestueuses, d'autres avec des choses un petit peu complexes. Moi, c'est le rapport aux gens, tout bêtement. Rapport à l'autre, c'est le rapport aux gens. Donc, j'ai fait une vache parce que... Oh, la vache! Oh là là! Oh, la vache! T'es parti là-dessus. La vache, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école, mais un enfant de 3 ans, quand il voit une vache, il la reconnaît, et un papy, quand il voit au journal que l'autre, il a gagné 43 millions au loto, il fait « Oh la vache !» On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Juste un petit détail encore. Quand on traduit « Oh my God !» en anglais, Julia Roberts, Brad Pitt et autres, Angelina Jolie, et bien c'est traduit « Oh la vache !» Regardez bien, écoutez. Dans le texte, c'est certainement pas écrit en anglais. Oh my God, non. Ça veut dire que c'est totalement français. Et du coup, normand, parce que forcément, quand on dit mauvais temps et qu'on dit vache, en général, on gagne du temps. On n'a pas dit Normandie, mais on est sûr que c'est nous.